Fédération Galactique, les forces obscures ont été vaincues. Salutations et bonne journée à vous, mes chers amis. Je me soucie sûrement de vous car malgré ce que vous pouvez croire, nous sommes tous liés. Il existe une explication légitime à certains des événements défavorables qui se produisent sur notre planète. Pouvez-vous accepter que les événements actuels dans le monde soient le résultat des pensées négatives de l'esprit collectif de la plupart des habitants de la planète? C'est pourtant la vérité. Les forces obscures se nourrissent de ces croyances négatives. Lorsque les forces obscures ne parviennent pas à vous contrôler, elles tentent de vous créer des problèmes dans votre vie. Le problème sera votre réaction émotionnelle. Les pensées négatives peuvent obscurcir votre esprit et vous donner l'impression d'être prisonnier d'un cercle vicieux de désastre. Lorsque nous parlons du côté obscur ou des forces négatives, nous parlons généralement d'êtres extraterrestres comme les gris et les reptiliens qui apparaissent dans la culture pop depuis des décennies. Bien que ces êtres soient réels, ils ne sont pas directement la source principale de toute négativité sur la planète. Les forces obscures ont réussi à infiltrer merveilleusement l'esprit humain pour y planter toutes sortes d'illusions d'ego. Elles ont programmé les gens de manière à ce qu'une personne se contrôle, se limite et se restreint elle-même sans la supervision d'une puissance supérieure. Les gens sont à la recherche d'un changement. Ils veulent être en meilleure santé. Ils veulent résoudre leurs problèmes. Ils veulent vivre des vies plus longues et plus significatives. Le problème est que beaucoup de gens ne savent pas par où commencer. Alors ils se découragent et abandonnent complètement leur recherche. Ces jours-ci, alors que tout semble aller de travers, rappelez-vous ceci, le monde peut sembler chaotique, mais il est toujours en train de changer et tout est toujours en mouvement. Vos pensées donnent naissance à votre réalité. Plus vous avez de pensées positives, plus vous obtiendrez de résultats positifs dans votre vie et dans ce monde. Votre esprit est un outil puissant qui vous a été caché par les forces obscures pendant des siècles. Lorsque vos pensées se tournent vers des pensées de peur et d'anxiété, davantage de forces obscures se feraient un chemin dans votre esprit pour se nourrir de votre énergie. En revanche, lorsque vous avez des pensées positives, les êtres de lumière s'efforcent de transformer vos schémas de pensée négatifs en schémas positifs. Est-il temps que les forces obscures cessent? Cela semble sortir d'un roman de science-fiction, mais le monde est en fait affecté par le changement de conscience de masse qui se produit en ce moment. Alors que nous entrons dans un nouveau paradigme, les forces obscures perdent leur emprise sur l'humanité et, par conséquent, elles tentent de nous entraîner dans leur chute. Le moment présent est un moment crucial dans l'histoire de l'humanité. C'est la dernière chance que nous avons de nous défaire de notre ancienne vie et de recommencer à zéro. Les forces obscures s'accrochent encore à leur contrôle, mais si nous parvenons à nous en défaire et à accéder à notre potentiel infini, tout ira bien. Vous pouvez briser ce cycle en utilisant la pensée positive et en vous libérant des forces négatives qui contrôlent votre esprit et votre corps. Le règne des forces obscures touche à sa fin. Elles ont utilisé tout leur pouvoir et leur contrôle sur vous. Le moment est venu de vous libérer des chaînes de l'obscurité. Les forces obscures ont épuisé leur pouvoir et elles ne peuvent plus faire de mal à la Terre.
elles sont épuisées et elles ne sont plus capables d'influencer nos pensées. Elles ajoutent donc maintenant de nouveaux obstacles à votre esprit et ont créé de nombreux problèmes sur Terre, comme des maladies pandémiques, des calamités naturelles, des crises financières, etc. Afin que vous sachiez que rien ne sera facile pour vous, même si vous travaillez très dur pour y arriver, mais que vous n'obtenez toujours pas de succès. Pour que ces changements positifs deviennent une réalité, vous devez garder vos pensées concentrées sur des énergies positives telles que l'amour, la compassion et la vérité. Comme vous l'avez appris dans mon précédent article sur la loi de l'attraction, il existe une force universelle d'amour qui opère à travers chaque être vivant sur cette planète. Si vous pouvez vous concentrer sur l'amour et la positivité à tout moment, vous serez attiré et protégé par les forces de lumière positive. Quand on y pense, nous sommes tous reliés par cette même énergie. Il est donc logique que les événements dans le monde et nos propres vies soient intimement liés. Ces dernières années, les forces obscures ont essayé de vaincre les forces positives et de gâcher chaque moment heureux de notre vie. Mais cette fois-ci, ce sera différent. Le temps de la force de la lumière arrive bientôt et il ramènera tous les moments heureux de votre vie en pleine force. Vous profiterez à nouveau de votre vie sans aucun souci, car la force positive vous protégera des forces négatives qui ont créé vos problèmes à l'origine. La force de la lumière sera avec vous et vous guidera dans les moments qui approchent. Il n'y a donc pas grand-chose à craindre. Assurez-vous simplement d'arrêter les choses qui sont à l'origine de votre mauvaise expérience, au lieu de tout faire par vous-même. Le sentiment de sécurité devrait vous accompagner pendant des périodes de plus en plus longues, tant que vous reconnaissez ce qui est bon pour vous en ce moment. Le temps du changement a commencé. Il est temps pour vous de vous réveiller et de faire ce que vous devez faire. Nous vous aimons tendrement. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. Merci de partager au plus grand nombre.